Salut les gars, comme on aime le dire, chose promise, chose due. Ici, j'ai pour vous encore l'astuce que je vous avais promis. Et la cote est encore une cote de 2. C'est toujours une cote de 2. C'est avec ça que nous allons évoluer lentement mais sûrement. Mais avant de continuer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux venus sur la chaîne. Et leur dire que sur cette chaîne, ils auront tout un tas de petites astuces comme ça afin d'augmenter leurs gains régulièrement sur 1xBet. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire si vraiment vous êtes intéressé par mes petites astuces. Car lentement et sûrement sur cette chaîne, vous aurez ces astuces pour vous faire évoluer dans vos paris. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les deux options que j'ai prises dans ce prochain coupon. Et voici ces deux options, comme toujours, ces deux événements dans le coupon. Et pour le premier match qui commencera à 13h, j'ai pris un total de 3,57. Vous savez que le tournoi de Roland Garros se joue en 3-7, c'est-à-dire le premier à avoir 3-7 à gagner. Alors que la confrontation entre ces deux joueurs, c'est-à-dire Audrey Rublev et Marin Cilic, a toujours été rude. Alors je crois que au moins ça, chacun marquera un set dans ce match. Alors que quand la set, plutôt, quand le tournoi se joue en 3-7, lorsque on voit déjà que les deux joueurs ont déjà mené 1-7-1-7, c'est-à-dire déjà que le match partira à 4-7. Donc cette option, je vous la propose et je pense qu'elle est sûre. Ensuite, concernant le deuxième match entre Casper Ruud et Vitus Nordkorn, j'ai pris là-bas la victoire de Casper Ruud. Casper Ruud est un joueur très très fort sur terre battue. Malgré la vivacité du jeune Ruud, je ne pense pas qu'il pourra faire grand chose face à Casper Ruud. Donc là-bas également, je vous conseille la victoire de Casper Ruud. Et comme vous le constatez, pour ces deux événements, la cote a un peu évolué et est allée jusqu'à 2,397. Car les cotes également ont évolué. Dans ce coupon, j'ai changé les options qui ne ressemblent pas aux options des matchs précédents ou aux options des astuces précédentes. Car comme l'événement ou la compétition évolue, nous également, on doit s'adapter à l'évolution de la compétition. Je vais enregistrer le code de ce coupon pour tous ceux qui sont intéressés. Et voici le code du coupon. PU9QT. PU9QT. Peut-être d'ici là, la cote peut évoluer ou diminuer, mais le code du coupon restera intact. Comme je le dis toujours, allons lentement et sûrement. Avec un XBet, il faut jouer avec tactique. Et mes astuces sont les meilleures. Alors, je vous invite à me suivre régulièrement car vous aurez tout le temps ces petites astuces pour augmenter vos revenus sur un XBet. Alors, à chacun de vous, je vous souhaite du courage et bonne chance à nous tous. À bientôt pour une autre astuce.